avis, c'était le moment final du vote du projet d'avis qui s'est enfin transformé en avis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le CESE a adopté nos préconisations, a adopté les constats qu'on a faits pour qu'enfin on puisse aller le porter auprès des décideurs, auprès des équipes candidates et qu'on fasse maintenant vivre la vie dans la société. Je suis très satisfait avec Manon, ma co-rapporteure, qu'on ait pu voter cet avis. Sur la forme, ça a été largement salué par l'Assemblée plénière du CESE, sur l'intégration des citoyens, sur aussi un avis qui va plus loin que faire des préconisations, où on s'est permis aussi d'aborder des pistes de réflexion un peu plus prospectives, où en tout cas on se disait, aujourd'hui c'est peut-être pas à nous de traiter ces sujets, mais on veut les inscrire dans la société. C'est quelque chose qui a été bien accueilli globalement au CESE, donc on est très content d'avoir pu donner à voir tout ce que le CESE pouvait faire, tant en termes d'analyse, de constat, de préconisation, que aussi de réflexion et de prospective. Donc très satisfait d'avoir pu d'en être arrivé là. Et l'intégration des citoyens, on a eu un temps de table ronde où les citoyens ont pu s'exprimer, ont pu aussi donner leur ressenti. Et je pense que c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bien au CESE, de se confronter directement à des citoyens qui ne sont pas habitués au travail qu'on fait, qui ne sont pas habitués à nos méthodes et qui aujourd'hui, au final, sont extrêmement satisfaits, sont motivés, ont envie de porter la vie, ont envie de contribuer à la vie de la vie une fois qu'on l'a voté. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est très réjouissant et très encourageant pour la suite. Une des préconisations vraiment importantes qui va être marquante, c'est le droit de vote à 16 ans. Ce n'est pas une solution miracle, et même nous, on le dit, le droit de vote à 16 ans ne sera pas une solution miracle. Par contre, c'est une preuve de confiance, c'est une responsabilité qu'on peut donner aux jeunes. Donc au final, c'est presque plus pour ce qu'ils représentent que pour la mesure en elle-même que ça nous paraît vraiment important de le porter aujourd'hui. Pour dire que oui, on a envie de faire évoluer le système, on a envie de donner la parole aux jeunes, de leur donner un vrai poids dans notre système démocratique.